Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je t'embarque dans un ménage, une routine matinale. Moi, c'est Nathalie et sur ma chaîne, on parlera de vie de maman, ménage, cuisine, organisation et astuces pour se faciliter la vie et se simplifier la tâche au quotidien. Comme la plupart des mamans, je me lève la première le matin et je viens aérer la pièce. Je me fais une tasse chaude qui va me donner du punch pour affronter ma journée. Là, il s'agit des feuilles d'une ginger dans de l'eau chaude. Pendant que je prends mon infusion de feuilles de ginger, je réfléchis sur ma journée et j'essaie de l'organiser dans ma tête. Là, je ferai la vaisselle, le ménage du salon, de la cuisine et je ferai la lessive. À cause d'un problème de plomberie que nous avons à la maison, je suis obligée de puiser de l'eau soit dans une marmite, soit dans une bassine pour faire ma vaisselle. Et pour rincer, je fais pareil. Une fois la vaisselle terminée, je vais nettoyer les vitres
et venir nettoyer ma plaque de cuisine avec une solution faite maison composée de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc et de l'eau. Je vais donc réchauffer les repas cuisinés à la veille. Pendant que je faisais la vaisselle, quelques gouttes d'eau se sont versées au sol et je vais le nettoyer immédiatement. Je viens donc nettoyer mon frigo avec ma même solution de nettoyage multisurface dont j'ai parlé tout à l'heure. J'utilise un chiffon microfibre parce que ça ne laisse aucune trace comme c'est un tissu en coton. Une fois terminé avec la cuisine, je vais venir balayer le salon. Aujourd'hui, je ne vais pas laver le sol parce que j'ai une grosse lessive qui m'attend. Je vais juste bien balayer, nettoyer et ranger. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous abonner, aimer et partager, car sur cette chaîne on parlera de motivation ménage comme je vous l'ai dit au départ, on parlera de vie de maman et de toutes ces choses qui font que maman puisse bien tenir sa maison et bien tenir son foyer, pourquoi pas. Solution de nettoyage multisurface fait maison, je dois nettoyer ma table TV et ma petite table basse, puis tout reposer en place. Je reviens donc pour ranger le canapé. En fait, la petite écharpe que je mets là, c'est parce que ma petite fille s'est amusée à me croquer le canapé. Du coup, pour que ce ne soit pas une pollution visuelle, je couvre cette partie. Là, je repose bien mes coussins. Le salon, je vais rapidement donner le petit déjeuner aux enfants. Là, ça n'a rien à voir avec le petit déjeuner classique que beaucoup peuvent connaître, lait, chocolat, etc. Là, ce sont les bâtons de manioc avec les œufs. Après, donc, je m'attaque au linge. J'ai deux sacs de linge à laver. Deux sacs. Là, j'utilise mon détergent préféré, qui est le détergent Madar, puisque pour moi, vraiment, ça n'abîme pas les doigts, c'est tout doux. Je l'utilise tous les jours. Il suffit juste de mettre dans de l'eau et de bien secouer là, dans sa mousse. On commence juste à tremper les habits.
et je vais tremper les habits, laisser poser pendant 30 à 1 heure, ça dépend. Parfois même je laisse pas poser longtemps quand je sens que le soleil est déjà en train de sortir, qu'il faut en profiter. Je laisse poser 15 minutes et je commence à laver. Même si c'est trempé dans du détergent, j'utilise un savon pour laver. Là, il s'agit du savon Azur. En fait, entretenir les vêtements des enfants, c'est pas évident. Même quand c'est déjà dans du détergent, on a l'impression que c'est pas suffisant pour enlever toutes les taches. Donc, j'ajoute le savon, je frotte bien, je brosse même pour que les enfants puissent mettre quand même des vêtements propres parce que les enfants se salissent énormément. Du coup, il faut frotter, il faut laver, il faut brosser. Du courage à toutes les mamans. J'espère vraiment que cette vidéo va vous motiver à prendre les choses en main dans votre maison. Pour celles qui traînaient encore le pas ou qui accumulent souvent la lessive, j'espère que cette vidéo va vous donner du bon et va vous permettre d'aller sortir tout ce qu'il y a de ça à la maison, nettoyer, tout ranger, tout plier pour avoir une maison propre. En fait, pour moi, une maison propre, le linge lavé, le linge rangé, ça veut dire esprit tranquille. Quand tout est fait, vraiment l'esprit est tranquille. Tu veux prendre un vêtement de l'enfant, c'est lavé, propre et rangé. Tu prends juste. En fait, c'est l'objectif de cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram, c'est juste Nati Nader, le même nom qui s'affiche là en dessous de la vidéo, afin qu'on puisse partager au quotidien notre vie de maman, afin qu'on puisse échanger sur notre quotidien et sur certaines difficultés. Vous savez, la vie de maman, on ne l'apprend pas à l'école. Ce sont des choses qui s'apprennent au quotidien, même si avec nos mamans, on a une certaine base. Après, la réalité est toute chose. Merci de vous abonner, de cliquer sur j'aime, de partager. Là, j'ai terminé avec ma lessive et j'ai tout séché. Ce n'est pas facile, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et c'est en fait ce que je fais 2 ou 3 fois par semaine. D'ici là, portez-vous bien et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo.